qu'il fait, c'est pas possible. Ouais, bah à mon avis, c'est le cas typique de la panne d'oreiller, quoi. Ouais, bah tant pis pour lui, on va y aller, hein. On va tout de même pas laisser attendre Lola à cause de lui. Et puis surtout qu'il faut passer prendre le matériel. Ouais, ok. Bon bah je finis mon sandwich et on y va. Excusez-moi, je suis en retard. Ouais, on s'en était pas rendu compte. Bah, t'as de la chance que j'ai eu une petite faim, hein. Sinon, on était partis. Hein. T'as du mal à te lever, toi, maintenant, le matin? Non, mais c'est pas ça, mais j'ai eu un problème. Grave? Non, c'est mon cousin de Strasbourg, et il vient habiter chez moi. Alors, il est arrivé ce matin, il a fallu que j'aide mes parents à installer sa chambre. Alors, vous voyez le genre, monter le lit de la cave, descendre le matelas du grenier... Pas très rationnel comme rangement, ça, hein. Et bah ça, tu diras ça à mes parents. Et il fait quoi, ton cousin? Eh ben, comme nous, il est étudiant. Et il a quel âge? À peu près comme moi, il vient poursuivre ses études à Paris. Ah, il va habiter longtemps chez toi? Le temps de trouver une chambre. Ah, il est sympa ou... Oui, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Bon. On va pouvoir y aller. Hein. Ouais. T'as les outils? Ah ouais, tout est dans la voiture. On va chercher le reste du matériel. Ouais, ok. On y va. On y va. Salut les esclaves. Qu'est-ce que tu racontes encore, Corinne? Moi? Rien. C'est la rumeur publique. Il paraît que non content de vous traîner aux souliers de mademoiselle Lola Garnier, vous allez maintenant vous occuper de son jardin le week-end. Écoute, Corinne, on ne se traîne pas au pied de Lola. C'est notre amie, c'est tout. Ah oui, votre amie. Mais elle ne cherche pas. De toute façon, tu ne peux pas comprendre. Tu ne connais pas. Et si on s'occupe de son jardin? C'est que ça nous fait plaisir et qu'on aime ça. Mais vous avez raison. J'avais remarqué que vous aviez des têtes de bouseux. Oui, nous, tu vois, on préfère l'agriculture à l'élevage. Parce qu'en fait, on n'aime pas trop les grosses vaches. Très drôle. Excuse-moi, Corinne, tu t'es sentie visée? Comme c'est bizarre. Ici, Richard, il n'y a pas de fumée sans feu. Je vois que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. C'est ça, allez vous occuper du jardin de votre petite maîtresse. Si par contre, un jour, vous voulez vous occuper du mien, vous pourrez le faire. Mais sachez quelque chose, moi, je paye comptant. Ah, tu vois, c'est dommage. Parce que nous, on préfère travailler pour les beaux yeux de Lola. Elle, au moins, elle a de beaux yeux. Un de ces jours. Elle va rejoindre ses mouches. Et qu'est-ce qui attire les mouches, déjà? Bonjour, papa. Ah, Lola, te voilà. Tu as bien dormi? Bouf, pas terrible. Je fais des cauchemars toute la nuit. J'ai rêvé qu'une armée de taupes envahissait le jardin et commençait à tout saccager. Jusqu'au moment où les envahissaient la maison, grimpaient l'escalier, arrivaient sur mon lit, commençaient à m'étouffer. Une armée de taupes dans le jardin. Ouais. Ah oui. T'as mangé un peu trop lourd, toi, hier soir, hein? Ah oui, ça doit être ça. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, mais ça! Oh, mais c'est rien. On profite du week-end pour faire quelques petits travaux avec les garçons. Des travaux? Où ça? Dans le jardin? Non! Pas dans le jardin! Mais trois fois rien! On va planter des rosiers, c'est la saison. Et puis c'est joli des rosiers dans un jardin, non? Ah oui, oui, c'est joli. Moi qui ne croyais pas aux rêves prémonitoires. Mais ne t'inquiète pas, mon petit papa chéri. On ne doit pas faire de bêtises. Et je te promets que mes petites abeilles ne viendront pas t'étouffer dans ton sommeil. Ben, j'espère bien. Hein. Ça doit être eux. J'y vais. Bonjour, là. Salut. Salut, monsieur Garnier. Bonjour, monsieur Garnier. Salut, ça baigne, monsieur Garnier? Ah, ouais. Ça baigne. Enfin, jusque maintenant. Et j'espère que vous n'allez pas révolutionner toute ma maison, hein. J'avais l'intention de passer un week-end tranquille. Ne vous inquiétez pas, monsieur Garnier, vous ne nous verrez pas. Ouais. On se met dans le jardin et on n'en bouge plus. On pourrait juste se changer dans votre chambre, monsieur Garnier. Mais pourquoi dans ma chambre? Bah, parce qu'on est trois. Et puis j'aime bien votre chambre. Hein. Ça fera plaisir de la revoir. Tant pis pour toi, Edouard. Prenez ma chambre, ça sera plus simple. Non, non, ça va, Lola. Allez dans ma chambre, elle est ouverte. Oh, super. Vous me suivez? Je sais où elle est.
Attendez, on pose ça là. Ah oui. Hop. Venez, c'est par là. Merci, petit papa chéri. Bah, monsieur Antoine, vous n'allez pas aider les jeunes? Oh bah non, Mélanie. J'attends Anne. On avait l'intention de passer un week-end tranquille. Ici? Bah oui, où voulez-vous qu'on aille? Quand on a la chance d'avoir une fiancée aussi jolie que mademoiselle Anne, on la force pas à rester dans une maison, même avec un jardin. On l'amène à la campagne, dans une petite auberge. Oui, bien écoutez, Mélanie, cette maison, c'est ma maison. Et Anne et moi, on s'y sent très bien. Enfin, quand on arrive à avoir la paix. Ne vous énervez pas, monsieur Antoine, moi je disais ça comme ça. Mais je sais très bien que vous l'aimez, votre maison. Et je sais aussi que mademoiselle Anne adorerait passer des week-ends romantiques à la campagne, dans une petite auberge. Ah ouais? Tiens, et comment vous savez ça, vous? Parce que moi aussi, j'adorais ça quand j'avais l'âge de mademoiselle Anne. Eh bien, je vais leur porter leur ravitaillement. Ça creuse le jardinage, surtout à cet âge-là. Bonjour, je suis bien chez monsieur Garnier? Ouais. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais je cherche mon cousin, Éric Chambaud. Il paraît qu'il est ici. Vous le connaissez? Éric? Ah oui, Éric. La grande abeille, toute frisée. Ouais, oui. La grande abeille? Oui, bah, je vous expliquerai. Ouais, entrez. Je vais aller le prévenir. Vous êtes qui, vous? Bruno. Bruno Lejeune, son cousin. Ah bon? Bah, essayez-vous. Salut, c'est toi le cousin d'Éric? Oui, salut, je m'appelle Bruno. Et moi je m'appelle Lola. Il arrive tout de suite, hein. Il est en plein dans la boue. Tu sais que t'es encore plus mignonne que sur les photos? Merci, mais de quelle photo tu parles? Ben, celle-ci, et celle que Éric m'a montrée. Parce qu'Éric a des photos de moi. Il en a plein dans sa chambre. Et à chaque fois qu'il venait chez nous à Strasbourg, il en avait plein son portefeuille. Et toute la famille te connaît. Bah c'est sympa, mais t'es pas trop déçue? Non, je t'ai dit il y a 2 minutes que t'étais encore plus mignonne. Eh ben, je me suis trompée. T'es beaucoup plus mignonne. Et surtout, retirez vos bottes. Vous allez mettre de la boue partout. Oui, monsieur Garnier, ne vous inquiétez pas. Ben Bruno, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir. J'étais tout seul, je savais pas quoi faire. Et puis, tu comprends, tu m'as tellement parlé de Lola que j'avais hâte de la connaître. Bon, ne faites pas cette tête-là, mon petit Eric. 2 bras de plus, c'est bon à prendre, hein? Surtout pour vos grands travaux. C'est vrai ça, Mélanie, on meurt de faim. Ouais, et puis c'est tellement bon chez vous. C'est déjà midi? Et Anne n'a pas appelé, elle devait arriver en fin de matinée. Si, si, elle est là. Bonjour, mon chéri. Bah, tu sais, comme tu étais dans ton bureau, bah, on n'a pas voulu te déranger. Alors Anne est venue faire un peu de jardinage avec nous. Ça va, mon chéri? Tu sais bien que j'adore les jardinages. Oui, 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 bon, ça va, ça va, ça va, ça va. T'aurais quand même pu me prévenir que tu étais arrivée. Bon, tu vas pas me faire une scène de jalousie maintenant. Et puis, tu sais, je suis allée les rejoindre parce que je savais que tu étais occupée. C'est tout. Non, puis c'est normal.
Les jeunes, ça va avec les jeunes. Non mais je disais ça pour rigoler, hein. Ah, c'est très drôle. Bon, 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 bon. Tout le monde se lave les mains, se change et on passe à table. Alors, il y a une salle de bain au rez-de-chaussée, une au premier étage, juste à côté de ma chambre. Et une autre dans la chambre de ton père, ma chérie. Antoine, ça ne t'ennuie pas si on utilise ta salle de bain? Ça ira plus vite. Ouais, bon, bah non. Allez-y. Oh bah venez, je sais où c'est. Vous allez voir, c'est super. Monsieur Garnier, un aftershave a tombé. Et puis les serviettes, alors elles sont d'une douceur. Bon, et ben moi je vais aller au rez-de-chaussée parce que j'ai la flemme de monter. Bon, Bruno, tu viens avec moi, je vais te montrer ma salle de bain. C'est la plus mignonne. Non mais dis donc, non mais tu as vu ça? Tu trouves pas qu'il est mignon? Ne vous inquiétez pas, monsieur Antoine. À chaque fois qu'il y a une nouvelle abeille, c'est pareil. Oh oui, c'est pareil, c'est pareil. Enfin, tout de même. Ah! Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Oui, faites bien attention de ne rien casser, les garçons. Elle y tient, sa vaisselle, Mélanie. C'est qu'elle appartenait à vos arrière-grands-parents, mademoiselle Lola. À tes arrière-grands-parents. Mais ne vous inquiétez pas, je surveille. Vous êtes sûr que je ne peux pas aider? Ah non, toi tu es un invité. Lola attend toujours un peu avant de faire travailler ses abeilles. Mais c'est quoi cette histoire d'abeille? C'est la deuxième fois que j'en entends parler aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on vous expliquera. Et sinon, c'était sympa Strasbourg? Bof. C'est la capitale de l'Europe. Il paraît qu'il y a de très jolies filles là-bas. Vous deviez avoir un succès fou. Bah, ça ne marchait pas trop mal. Mais je crois que je préfère les filles d'ici. Ah bon? Tu en as déjà vu beaucoup? Oui. Deux. Attention, monsieur Eric. Il faut pas frotter trop fort les assiettes en porcelaine parce que vous risquez d'enlever le motif. Oui, Mélanie, ne vous inquiétez pas. Mes parents les mêmes. Je les mets où, les couteaux, Mélanie? Dans le tiroir de droite. Il y a un compartiment spécial. Oh! Eh bien, je vais ranger la nappe. Je viens tout de suite. Alors, vous habitez chez les parents d'Eric? Oui, enfin, en attendant de me trouver une chambre. Oh là là, mais ce serait super que tu aies une chambre. Tu sais qu'ils habitent encore tous les trois chez leurs parents. Excuse-nous, Lola. Tu sais, on est encore étudiants. C'est vrai que c'est le rêve de toutes les jeunes filles de l'âge de Lola d'avoir un copain qui a sa chambre indépendante. Ouh là là, je sens que je vais me faire attraper. Anne, tu veux vraiment pas venir de mon bureau? J'ai reçu un bouquin sur les primitifs flamands. Je veux absolument te le montrer. Allez. J'arrive, mon chéri. Excusez-moi, l'appel du maître. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a comme charme? Plus que moi? Non, c'est pas pareil. Bon, vous finissez la vaisselle, les garçons, hein? Moi, je vous attends au salon avec Bruno. Tu viens? Et c'est vraiment ton cousin? Je me le demande. Oh, mais dépêchez-vous de finir au lieu de parler. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas intérêt à les laisser seuls, hein. Et comme ça, c'est elle qui t'a quitté? Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Elle a pas supporté que j'aille poursuivre mes études à Paris. C'est triste. Non, je crois que c'est mieux comme ça. Tu vois, ça me permet d'être complètement libre et de recommencer une nouvelle vie. Et tu as envie de recommencer une nouvelle vie? Oui, très. Ça y est, là, on est prêt. Très bien, bah, allez-y, on vous rejoint tout de suite, hein? Oui, mais tu nous as pas dit où tu voulais qu'on plante le rosier exactement. C'est simple, juste sous ma fenêtre. Tu sais où c'est? Oui, oui, bien sûr. Bah alors, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Disons que ça serait mieux si tu venais avec nous, là. Ouais. Parce que tu comprends, quand c'est planté, ben, c'est planté. Je vous ai dit que je vous rejoignais tout de suite.
Je finis juste ma conversation avec Bruno. Bon, bah, on y va, hein. Ouais, on y va. Enfin, tardez pas trop quand même, hein. Non mais attends, ils sont toujours comme ça avec toi? Toujours. Il y a vraiment des moments où ça m'énerve. Je ne peux jamais rien faire sans qu'ils m'espionnent. Je les comprends. Ah bon? Pourquoi? Comme ça. Bah si tu veux, je peux te faire visiter ma chambre si ça t'intéresse. Ah bah oui. Ouais, mais viens. Les rosiers blancs ou les rosiers roses en premier? Lola! Lola! Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Il a rien, il est jeune, c'est tout. Ah. Bon, ben, je vais laisser un mot à Lola pour dire qu'on est parti au cinéma. Est-ce que j'ai mis le papier? Ah, là-bas. Excusez-nous, monsieur Garnier, on a une grave question à vous poser. Où est Lola? Lola, votre fille. Ça, je sais. Et ben, vous savez où elle est? Non. Pourquoi? Elle n'est pas avec vous dans le jardin? Non, monsieur Garnier, non, elle n'est pas dans le jardin. Enfin, les garçons, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Elle doit pas être bien loin. Mais oui, elle doit pas être bien loin. Ouais, ouais, elle doit pas être bien loin, oui. En tout cas, elle n'est pas là. Ouais. Et Dieu seul sait avec qui elle est. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire, Edouard? Je veux dire que Bruno, le cousin d'Eric, lui aussi a disparu. C'est pas de ma faute. Hein. Tu as raison, Eric. On choisit ses amis, mais pas sa famille. Vous voulez dire que... Oui, monsieur Garnier, oui. Et ce n'est pas dans notre habitude de rapporter, hein. Et surtout aux parents. Hein. Mais Lola et Bruno ont disparu. Depuis le début de l'après-midi. Ah oui, c'est pas bien de le dire, hein, mais excusez-nous, il le fallait. Mais arrêtez, les garçons, on nage en plein mélodrame. Non, non, non. Mais ils ont raison. Si ma fille a disparu avec un garçon que nous ne connaissons pas, il y a quand même de quoi s'inquiéter. On le connaît, ce garçon, c'est le cousin d'Eric. Mais ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vu. Ouais. Et puis, dans toutes les familles, il y a des brebis galeuses. Brebis galeuses? Ouais. Des brebis galeuses. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites une tête. Lola, où étais-tu? J'étais dans ma chambre avec Bruno, je lui ai montré mes photos. Il y a un problème? Je sais que c'est vous qui les avez presque toutes prises, monsieur Garnier. Bravo, vous avez du talent. Ah bon? Vous trouvez? Et vous me cherchiez pourquoi, les garçons? Non, pour rien. On a fini de planter les rosiers, alors on voulait savoir si ça te plaisait. Ah oui, on va aller voir. Tu viens, Bruno? Tu crois qu'ils ont fait des bêtises? Tu connais ta fille? Bah, moi, je la connais. Ne t'inquiète pas, tout va bien. On fait une partie? Attends, Bruno, là. Faut qu'on te parle. Viens. À moi? Oui, on va aller s'asseoir là-bas. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? On va dire, c'est à propos de Lola. De Lola? Ouais. Tu la trouves comment? Ben, très très mignonne, pourquoi? Ouais, ben, parce que nous aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, Bruno, on va pas y aller par quatre chemins. Voilà. Tout à l'heure, tu as passé 2 heures dans la chambre de Lola. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, elle m'a montré ses photos. Depuis qu'elle était toute petite, jusqu'à maintenant. Ah ouais? Et t'as vu celle où elle faisait du ski nautique quand elle avait 10 ans? Oui, elle était déjà très mignonne. Elle était adorable à cet âge. Elle t'a montré celle où elle est à cheval sur le dos d'un gros chien? Oh là là, ouais, je me souviens. Elle devait avoir 5 ou 6 ans. C'est ça? Ouais, je l'ai vue aussi. Ouais, mais en tout cas, c'est pas le problème. Elle t'a montré les photos. D'accord.
Mais après. Après, on a discuté. De quoi? Ben de tout, de la vie, de ses parents, des miens, des études, du monde. Et après? Ben après, rien. Rien? Non, rien. Ben, elle n'a pas voulu. Non. C'est pire. J'ai pas osé. Bienvenue au club. Salut les garçons. Salut, bonjour. Salut Lola. Bonjour Lola. Salut Lola. Vous m'avez mis une partie. Non, non, mais c'est pas grave, tu peux jouer la mienne. Non, la mienne. Non, la mienne. Je suis le dernier arrivé. Oh, bah écoutez, j'ai une meilleure solution. Je vous regarde jouer et le gagnant aura droit à une bise. Bah, ok, hein. Accrochez-vous, je commence. Ah, si tu crois qu'on va se laisser faire. Tu vois, mon chéri, tu avais tort de t'inquiéter. Oui, je vois. Tu as toujours raison. Mais c'est toujours comme ça. Quand une nouvelle abeille arrive, la ruche s'affole toujours un peu. Et puis après, la vie reprend son cours normal.